Le Premier ministre Patrick Achi face aux acteurs de l'industrie de la mode et du textile. Une rencontre d'échange entre le chef du gouvernement et les créateurs de mode en vue de recueillir leurs différentes préoccupations. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de la mode se sont sentis considérés, valorisés et sont prêts à prendre toutes les dispositions pour faire éclater leur génie créateur, pour vendre la Côte d'Ivoire, pour valoriser le made in Côte d'Ivoire. Si l'État aujourd'hui à un très haut niveau reconnaît, n'est-ce pas, le développement de nos activités à travers nos humbles personnes, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu pendant toutes ces années. Il a fait la synthèse de tout ce qui lui a été soumis en termes de problématiques et il a émis aussi l'intention du gouvernement avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de trouver des solutions dans le but que la mode soit une vitrine et un secteur pourvoyeur d'emplois. Faire de la culture un pilier fort de développement de la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Patrick Achi, l'industrie de la mode et du textile contribue au rayonnement du pays. Un secteur donc qu'il faut soutenir. On estime que ce génie créateur-là, il mérite d'être mieux connu et que ceux qui sont, je dirais, ces sources d'inspiration de ce génie, que ces personnes-là également soient des ambassadeurs du pays. L'État est conscient que ce secteur est stratégique, je dirais, pour sa croissance, est un pourvoyeur d'emplois, est quelque chose qui va, je dirais, certainement faire plus rayonner le pays à l'intention donc de pousser ce secteur. Cette série de rencontres, la troisième du genre, initiée par le Premier ministre, a débuté le 16 septembre dernier. Patrick Achi a déjà échangé avec les acteurs de l'industrie du cinéma et de la musique.